think about me. Comment vous appelez-vous ? Moi, je m'appelle Fatih Ilgis. Bonjour, moi je m'appelle Léa, j'ai 11 ans, je suis née le 31 décembre. Je m'appelle Myriam, j'ai 21 ans, je suis actuellement étudiante et je suis venue ici pour participer à un projet en rapport avec le plurimédia. Alors moi je m'appelle Sana, j'ai 13 ans et j'habite dans Villepinte. Moi j'aime le basket, le skateboard, j'aime tout ce qui regroupe le cinéma, d'ailleurs j'y vais souvent avec mon petit frère. J'aime beaucoup les activités en extérieur. Comment as-tu découvert ce stage ? Alors, en fait, c'est ma sœur qui m'en a parlé parce qu'elle a vu une d'annonce sur Instagram. T'es étudiante ? T'es à l'école encore ? Oui, c'est dans le collège en quatrième. D'accord. Et t'as une idée de ce que tu voudrais faire plus tard ? Oui, alors moi, je suis plus basée sur le journalisme, dans tout ce qui est articles, dans l'écriture, etc. Qu'est-ce que vous voudrez faire plus tard comme métier ? Alors moi, comme métier, j'hésite encore. J'ai plusieurs sections. J'aimerais bien devenir photographe ou photographe, de là c'est une de mes passions, donc j'aimerais bien le devenir si je peux, peut-être caméraman, tout ce qui a à voir avec la photo de la caméra, ça m'intéresse. Ou peut-être travailler dans l'aviation civile, c'est un peu loin du photographe, etc. Hein, mais dans l'aviation civile, ouais, agent d'escale ou quelque chose du type. Alors j'ai cru comprendre que dans le cinéma c'est plus le montage qui t'intéresse. Voilà, c'est ça, le montage, utiliser des logiciels, voilà. D'accord, t'as commencé à t'entraîner déjà ? Ben, avec ma tablette, quelquefois, je télécharge les applications de montage, vu que j'ai un ordinateur, mais je sais pas, j'ai Movie Maker comme logiciel, mais je ne sais pas m'en servir. Donc du coup, je suis venue ici pour apprendre et pouvoir me perfectionner dans le montage. Bah, comme je viens de le dire, ma passion c'est surtout la photographie, mais comme sport, j'aime le badminton surtout, ou faire des sorties entre amis comme du foot ou des choses dans ce genre-là. Quelles sont tes motivations en venant à cette formation ? En fait, c'est plus pour apprendre les bases du journalisme, la vidéo, l'écriture, etc. C'est pour apprendre les bases et pour m'orienter plus tard dans ma vie professionnelle. Donc, si j'ai bien compris, c'est plus pour le journalisme, mais comment as-tu découvert cette passion pour le journalisme, on va dire ? On va dire que depuis petite, j'écris. Souvent j'écris et ouais, j'ai toujours aimé genre Claire Chazal, etc. Je regardais souvent et tout.